Bonjour tout le monde, c'est Pierre Officier pour notre épisode de Elden Ring. On continue notre périple. On a une couple de boss sur le chemin ici. Puis j'ai été voir ici, il y a plein de boss aussi, mais je ne peux pas y aller tout de suite. Donc on va aller plus tard dans cette section-là. Donc en gros, on va aller ici. C'est beau. Bands of Vengeur. Ok, on a notre prochain boss. Fuck. Pas un autre style malin. Oh shit. Des raviolis. Faut juste que j'active le truc le plus vite possible. Ça fait peur. Et voilà, lui était plus facile que l'autre. Hein. Donc on a un fruit de Chabiribibiboubou. Albert de Chevalier banni plus 3. Plein de raviolis crus. Je pense que c'est ça qu'ils ont mangé pour crever.
Albert finement ouvragé aux ornements antiques, remis aux chevaliers contraints de quitter leur foyer pour des raisons obscures. Peut-être en guise de blâme ou simplement pour la force des choses, les pauvres furent envoyés par les confins où ils s'établirent avec leur peine comme seule compagne. Un petit ménage dans mes affaires et puis de chevalier de carrière. Ça va aller là. Puis de chevalier, ça je l'ai. Tu plusieurs albardes? Okay. Okay, j'ai pas vraiment gros de d'XP. Monter de niveau, ça sert pas à pas faire ça tout de suite. Ok. Prochain boss, allons-y. Trouvons le prochain boss. J'ai l'impression que c'est proche de l'arbre, parce qu'à chaque fois qu'il y a un arbre, il y a un boss, une espèce d'arbre. On va aller voir ça. Tu veux que je monte là? Ou is you? T'es quoi toi? Ah, oh, t'es un homme arbre. Je dois aller à la bonne place, right? C'est des... Les ennemis comme ça proches. Ça veut dire que je continue ici, je m'en ok. Une tower là. J'étais dans ce coin-là, ici. Il me semble que non. Il va y avoir des affaires là-bas. Vraiment.
ne me font pas rien peur. C'est une tower droite là. Okay, lui, il est tout seul. D'avoir quelque chose, une caverne ou quelque chose. On va aller voir ça tantôt. Tour du prosphétie. Pardon. Que l'érudition vous guide. Peux-tu monter une autre zone? D'une autre façon? Comment tu fais de monter là? On va peut-être un mur secret. Où je monte par là? Beaucoup de platforming dans ce jeu-là qu'on peut. Hey, hello. C'est à moi-même acheter des flèches. Peut-être qu'on peut. C'est un piège. Ta-da-da-da. Plus de spells. Mais j'en fais pas. Et je drop. On va aller voir si on peut faire un boss. Je vais aller voir l'arbre. À l'endroit spécifié. Et à toi. T'auras des parfums.
Voyons voir. Il y en a comment ici? Let's go, on se bat. On le connaît lui, ça fait deux, troisième fois qu'on le voit. Il m'a eu. Il m'a eu. On l'avait quasiment, là. On l'avait quasiment. Faut le trosspoule. Et voilà. Il a pas fait son attaque de missile. L'arme de cristal cérulienne.
L'arme de cristal fissuré. Oh, j'ai tué votre boss. Je sais pas si c'était votre dieu ou... Quel genre d'élément qu'il fait, hein? C'est quoi le tour de l'arme? Ben, je vais voir qu'est-ce que j'ai débloqué aussi. Dans une fiole, restaure la moitié des PC totaux. Ton œil, tout ça et ça. Dans une fiole, déclenche une explosion. Est-ce que c'est bon, ça? Ça va être habitué. Oh. Ça va être habitué de les tuer eux autres, les gros. Là. Parce qu'il y a quand même un certain pattern identique au premier boss de Dark Souls. Donc ça va bien. Ok, c'est beau. Je vais me téléporter probablement ici. Je sais pas s'il y a un autre boss dans le coin. On a fait deux boss à date dans cet épisode-là. Il devrait avoir un troisième boss, en fait. Pas très loin. Ce que je vais faire... Est-ce qu'on va essayer de le trouver? Je pense que c'est un donjon. La façon dont je vois ça, sur la map, ça a l'air d'être un donjon. Perhaps. Whoa, what the fuck? Quelque chose, par là-bas. Donc, tu me dis vraiment qu'il faut que je descende par ça? Il y a des arbres, effectivement. Que je peux descendre site même. Je vois. Je vais expliquer pourquoi je le trouve pas le boss. Pas assez. Peuvent-tu être surpris eux autres?
avant d'aller là, là. Explorer sur le bord, ça. Il doit y avoir un chemin, on dirait, sur le bord qui mène. Peut-être un donjon en bas de ça. On va aller voir. Jellyfish. Il y a vraiment un chemin ici. Ok. Hello. J'ai l'impression d'en faire décor ici, ça. Des chauves-souris. Il y en a beaucoup en plus. C'est tout demain. Je vois qu'il y en a quelques-unes à l'extérieur, plus loin. No surprise attack for me. J'ai vu. Effectivement, il y avait un donjon ici. J'ai des bonbons pis c'est pas fameux choix. Feu noir c'est un esti de temps. 4 de l'impasse. Yeah! Là des catacombes, t'as soit des squelettes, t'as soit des gargouilles. Qu'est-ce qu'on voit nous autres? Et à gauche. Ok, je vais regarder partout. Cette gargouille là.
Easy peasy. Facile de même. La porte était pas très bien cachée. Sors d'où ce son là? Maintenant, je sais qu'il y a des endroits secrets. On va l'utiliser. Je ne m'attendais pas qu'il soit... What? I'm in danger. Petit recoin partout même. Fragment d'os humain, qu'est-ce que je fasse avec ça? Crosse de veilleur. Parce que les fragments d'os humain, c'est un item de crafting, je crois. Ouais. Crosse de veilleur. De veilleur, 34 de force, dextérité 10. Grand bâton de pierre incrusté de bâton d'éclat porté par les veilleurs de l'arbre monde qui protège les catacombes. Les veilleurs, des êtres abattus et baisés par des années de dur labeur, dirigent les cryptes. On raconte qu'ils recommanderaient même aux diablotins. Ça va être bon ça, fameux. Peut-être que c'est pas un endroit. C'est peut-être un endroit vraiment bonus ici. Je vais aller voir un petit bit. Peut-être, on va aller voir. J'ai rien à perdre, right? C'est fou. Je sais pas où je m'en vais demain. C'est là-bas, la porte du boss. Ok, c'était ça le fun. Ok. Fait que tu trouves la porte du boss, c'est ça l'affaire, celle-là. Thank you.
Good. On va tabasser toutes les estimeurs, ça va finir là. Hello? Clairement quelque chose à quelque part, hein? Y'a pas un petit crise quelque part? Es-tu vraiment de ça? Je pense que c'est tout. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Centre de soldats de Rayel Kugia. J'ai sûrement dit mal, mais... Invoque des esprits de 3 soldats de Rayel Kugia. Il reste de cendre dans lequel demeure encore une lame. Utilisez cet objet pour là. Invoquez 3 esprits de soldats de Raya Lucaria. Trio composé de 2 fantassins faisant office de chair à canon et de leur supérieur. Soldats de Raya Lucaria porteraient également le surnom de Coucou. L'académie leur permettait de laisser libre cours à leur appétit belliqueux, avidité qui leur valut une sinistre réputation. Je pourrais l'essayer. Si j'aime pas ça, j'aime pas ça, hein. J'ai-tu toutes mes potions? Bon, je m'en manque une, mais peut-être que le boss va pas être si payé que ça. Damn. Ok. Let's go. Je sais pas si ça colle le boss, je suis curieux. C'est pas excitant de voir ça. Let's go, on va faire ça. That's the goal. Ouais. Escargot mange esprit. Oh, ok, ok, ok. Je pense que c'est quoi le but. Là, je trouve le boss. You. You. J'ai l'impression que c'est ce genre de boss-là. Là. Peut-être faut juste tuer son. Faut peut-être juste tuer son affaire. Ouais, mais les 3 soldats, c'est pas fameux, on va être honnête là. À date, lui, c'est mon meilleur. Rien à dire là-dessus. Thank you.
tuer. On dirait qu'il a survécu plus longtemps avec... Attends, on va essayer de faire quoi, ok? On va remettre ces trois joyeux lurons là. Voyons donc, Chris, je t'ai pas mis un bidon. T'as tellement d'items. Oui, on a des trophées quand même plus longtemps que les autres. Ça peut être bon quand même. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Quand t'as beaucoup d'ennemis, là, ça doit être quand même bon. Okay, faut pas que je... Ça serait triste que je perde mes... Il est là. Où est-ce Ok, c'est comme Bloodborne, ok. C'est juste moi qui cave. C'est plus facile que... Centre de sorcier de pierre d'éclat. C'est moi qui étais vraiment cave. Fait que c'était le même principe que la sorcière dans Bloodborne. Elle est invisible. Moi, je m'attendais qu'elle apparaisse. La créature apparaisse quand je suis très proche, mais non. Ok, c'était spécial. Le boss m'a eu, hein, quand même. C'est quoi ça? Invoque l'esprit d'un sorcier d'éclat, de pierre d'éclat. Des risques de sombre, blablabla. Esprit d'un sorcier de Rayalakura portant un masque de pierre. Ça vous dit que le cursus de Vénus maîtrise parfaitement la sorcellerie de la main étoile de pierre d'état. D'éclat, excusez pas d'état, là. Ça fait trois boss. Ça va bien. Ça va bien. C'est pas assez pour... faire le level up par contre. Peut-être que par ici, on fait la zone que je parlais. Là. On pourrait... Je vais le vider un petit peu. Je me demande si ça pèse de quoi, genre. Je pense que ça pèse rien.
Oh shit, okay. C'est une sorte de poison, ici. Je vais essayer de tirer le crabe vers moi. Crabe. Qu'est-ce qu'on a là? Des crabes. Qu'est-ce que c'est ça, Calis? Êtes-vous correct? Run! C'est beau ici. Oh shit, ok, non. Je pense que je peux fabriquer des flèches, right? Flèches en os. There we go. Un moins. Je sais pas si c'est des systèmes spéciaux, ça.
There you go. Ça, c'était les boss, ça, là. On va retourner dans le poison, voir qu'est-ce qu'il y a là. Quelqu'un peu perdu là. Ça monter là. C'est vrai qu'il y a un village, ça. Il y a un pont en tout cas. Oh shit. Ils sortent de partout ces scrabs-là. Est-ce que je peux... Je peux monter de même là. Donc c'est pas par là. J'ai aucune idée. Peut-être qu'il y a un chemin par là.
sur une vilaine toux. Et si je monte par ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que c'est passé. Passionnant pour vous autres d'essayer de regarder ça. Là. Comment tu fais pour aller là? Aucune idée d'en faire monter là. Je réussisse à monter cette plateforme-là, mais... T'as une façon de monter là? Ok, ben on va arrêter l'épisode ici, puis on va essayer de découvrir comment on fait pour monter là. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir été à tout le monde. Capiqué à tous. Et à la prochaine!